Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui n'était pas prévue parce que hier j'ai reçu la My Little Box de ce mois d'avril et elle est mais genre méga canon, elle est génialissime. Et là il y a 10 minutes j'étais en train de prendre les photos pour la review que j'ai postée sur le blog juste après et je me suis dit mais elle est tellement bien en fait, je viens vraiment de l'ouvrir à l'instant et de découvrir le contenu et je me suis dit elle est tellement bien que je vais vous la faire aussi en vidéo parce qu'elle est canonissime. Franchement, la dernière fois que j'ai ressenti ça pour une My Little Box, c'était il y a 2 ans. Je pense que c'était il y a 2 ans pour la Geekette Box, qui était très chouette, pour laquelle j'utilise encore justement la petite pochette d'ordinateur, mais aussi les petits stickers si j'utilise encore des trucs de cette box. Et celle-ci, elle est géniale. Franchement, ça fait vraiment longtemps que j'avais une aussi chouette My Little Box. Je suis très contente, autant des produits de beauté qui sont dedans que les goodies qui sont vraiment chouettes et originaux et beaux. Depuis décembre, on avait senti que My Little Box, My Little Paris amorçait un changement dans la box. Depuis janvier, le changement a été fait, je vous en ai déjà parlé. Je vous mettrai le lien vers les reviews qui sont sur le blog, mais aussi les reviews que j'ai faites en vidéo au début d'année. On avait vu un changement et là, franchement, pour le début du printemps, pour la box de printemps, pour cette box d'avril, on sent que cette box a été vraiment hyper réfléchie. Il n'y a rien à dire, franchement, elle est top. Je vais tout de suite vous montrer cette fameuse box. Il s'appelle My Little Flower Book. Book parce que, oui, c'est un livre en fait, c'est une box sous format de livre que voici. Alors c'est un livre, c'est une box en livre, donc elle est fermée par ce petit nœud. Je l'ai vidé, donc comme je disais, je viens de l'ouvrir sur la tranche comme ceci, derrière un texte que je vais vous lire. Et c'est une box qui est en fait réalisée en collaboration avec Balzac Paris, qui est une marque mode parisienne, qui a collaboré pour la création d'un goodie, mais aussi une interview dans le magazine. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc My Little Flower Book, canonissime. Déjà rien qu'à la boîte, moi quand j'ai ouvert ça, j'ai direct fait un snap, j'ai fait waouh, franchement je m'attendais pas à ça. Et donc c'est un livre parce que quand on l'ouvre, à l'intérieur on a bien sûr le contenu et ça se ferme avec le petit ruban. Je vous lis rapidement ce qu'il fait noter derrière. Alors ça, en fait ça donne le menu, donc vous allez voir, connaître ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est l'histoire d'une saison qui réapparaît enfin après de longs mois d'attente. C'est l'histoire d'une box qui feinte ses abonnés en se faisant passer pour un livre. C'est l'histoire d'un livre usurpateur qui, une fois vidé, pourra se ranger dans une bibliothèque et cacher des secrets. C'est l'histoire d'un jardin miniature qui pousse en appartement. C'est l'histoire d'une pochette qui met sans dessus dessous votre lingerie vagabonde. C'est l'histoire d'un magazine foisonnant qui bourgeonne page après page. C'est l'histoire d'une collab branchée littérature, un poil intello. Bref, c'est l'histoire de My Little Flower Book. Note de l'auteur. Chaque membre de l'équipe a mis sa petite graine dans cette box en espérant que le résultat soit à la hauteur de vos attentes. Joyeux printemps. Franchement, c'est vraiment à la hauteur de mes attentes. C'est génial, elle est trop forte. On va commencer tout de suite avec la présentation des produits. Ensuite, on fera la présentation des goodies. Et pour finir, par la conclusion comme d'habitude. Au niveau des produits, cette fois-ci, ce mois-ci, on a 4 produits que voici. On commence par le déodorant. C'est un déodorant de la marque Mixa. Et c'est un déodorant peau sensible, innovation, antitranspirant 48 heures, sensitive, confort, avec 0% d'alcool. Et son originalité, en fait, c'est son bout parce que, en fait, c'est un bout rond comme ça. Ils appellent ça diffusion brume anti-irritation. Et en fait, je vais vous le montrer, je sais pas si vous allez le voir, mais ça fait pchut, mais en sortant par différents endroits, différents petits points autour de ce rond en fait. C'est un petit peu comme le ventilateur Philips, si vous voyez duquel je parle. Franchement, c'est très chouette, il est bien. Je l'ai utilisé à l'instant, j'en ai mis, ça ne m'a pas piqué, ça ne m'a pas aimé, ça ne me gratte pas. Je pense que c'était le but. Mixa, au niveau de cette marque, elle existe depuis des lustres. Elle est vendue en France depuis des lustres aussi, mais par contre en Belgique elle est disponible uniquement depuis l'année passée, si je ne me trompe pas, depuis fin d'année passée il me semble.
Donc c'est une nouvelle marque pour nous qui est actuellement vendue chez Dee et en grande surface, mais je pense qu'ils ont une exclusivité pour certains produits chez Dee, je crois. Donc c'est un produit Mixa, mais qui, une marque qui a fait ses preuves. C'est la marque de nos mamans en final. Moi je me rappelle, comme j'habite à la frontière en fait, ma mère elle a acheté des trucs Mixa, moi je me rappelle avoir utilisé quand j'étais petite. Mais voilà, donc Mixa, le déodorant antitranspirant avec effet brume. Voilà, ça c'était le premier produit de ma Little Box. Ensuite on passe au deuxième produit qui est le produit de My Little Beauty. Alors My Little Beauty c'est une marque de My Little Paris. My Little Paris détient aussi My Little Box, My Little Beauty et d'autres marques. My Little Beauty vous pouvez les acheter sur l'e-shop de My Little Beauty, My Little Box. Il y a un onglet, vous allez voir, vous pouvez aller voir. Et ce produit ça s'appelle Rosé du Matin Masque Détoxifiant. Je vous lis ce qu'il fait noter derrière. Bourré à 96% d'ingrédients d'origine naturelle et de vitamine C, ce masque ne se laisse pas intimider la pollution, la glycémine. Il les dégomme pour faire peau neuve, masser jusqu'à ce que la texture change complètement de couleur. Puis laisser poser 5 minutes et rincer, ne pas appliquer sur le contour des yeux. Ça a l'air intéressant en fait, je n'ai pas ouvert mais je vais le tester de toute façon. Normalement j'ouvre pas les produits que je n'utilise pas. Il est de couleur crème, on va dire pêche, mais très très clair. Et alors ce qui m'a surpris dans cette description en fait, c'est quand ils disent jusqu'à ce que la texture change complètement de couleur. Alors je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que je vais me retrouver noir? Est-ce que je vais me retrouver verte? Aucune idée, mais je vais en tout cas le tester et je vous montrerai ce que ça donne sur Snapchat à mon avis. Voilà, donc c'est Rosé du Matin Masque Détoxifiant de My Little Beauty. Troisième produit, une marque que je connais bien, que j'ai déjà testé parce que j'en ai acheté en pharmacie, mais j'en ai reçu aussi plein dans les box, dans My Little Box aussi. C'est la marque, je pense que ça se dit Furterel, je ne sais pas. C'est le shampoing Lumicia, shampoing révélation, lumière, usage fréquent pour tout type de cheveux. Alors ça, ce qui est bien avec cette marque, c'est une marque naturelle aussi, qui est vendue un petit peu partout et qui franchement fonctionne très très bien. Moi j'avais testé un shampoing et un après-shampoing. Le flacon était vert, je ne saurais plus vous donner le nom, mais il était génialissime. Et justement, en recevant celui-ci, je me suis dit, mais il faut absolument que je rachète ce flacon vert. Et j'avais complètement oublié, mais je vais le racheter, en tout cas le vert. Et ceci, je vais le tester dès que j'ai fini cette vidéo, je vais le mettre sur le bord de ma baignoire. Et je le testerai dès demain quand je me laverai les cheveux. Je vais vous lire ce qu'il fait noter sur le petit carton qui accompagne toujours les produits dans ma Little Box. Boule à facettes, rangez vos diams s'ils risquent de faire concurrence à vos cheveux. Question de lumière, c'est votre crinière qui va chiner et vos bagousses qui paraîtront ternes à côté. Mais avant ça, il va falloir faire un peu de nettoyage, neutraliser calcaire et pollution avec le shampoing Révélation Lumière Lumicia de René Furterer à base d'alcoola. Alors qu'est-ce que c'est de l'alcoola? De fiorivanti et de vinaigre d'acérola aux actifs 100% naturels. Les écailles sont resserrées et les cheveux redeviennent fluide, léger, soyeux, mais surtout brillant, tellement brillant que la lumière s'y réfléchit. Ouais, 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 on monte le niveau. Alors c'est un shampoing qui coûte 9,90€ les 200ml. Dernier produit de ce My Little Flower Book, c'est un produit de L'Occitane, un gel douche qui s'appelle Pivoine Flora, que voici. Donc il est rose, il est décoré de fleurs, il est parfaitement dans le thème. Derrière, il faut noter, ce gel douche se transforme en une mousse légère au contact de l'eau et nettoie le corps en douceur. Il laisse sur la peau un parfum floral vert inspiré d'une pivoine en éclosion. Il contient un extrait de pivoine de Drôme. Alors ce produit sent très très bon, ce produit sera utilisé, du gel douche, bah, c'est toujours utile aussi. Je vais aussi lui aussi le mettre directement sur le bord de ma baignoire. Le seul petit problème, c'est qu'il a coulé dans ma boîte. Et ouais, pas de chance. Je crois que chez My Little Box, c'est la première fois que ça arrive. Par contre, ça m'est déjà arrivé avec d'autres box. Et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il est vraiment bien fermé. Je ne sais pas pourquoi il a coulé, mais du coup, j'ai deux petites traces dans le fond de ma box. Heureusement, ça ne se voit pas du côté extérieur de la box. Mais bon, c'est un petit peu embêtant, je trouve. Mais voilà, tant pis, on va faire avec. En tout cas, il sent bon, il sent la fleur, mais plutôt la fleur. J'aime bien le parfum de fleur, mais je trouve que c'est un parfum qui convient plutôt à une femme un peu plus âgée. Un parfum plus adulte, plus mature.
Ce n'est pas une odeur, un parfum que j'aurais acheté en tout cas par moi-même, même si j'adore l'Occitane et tout. Je sais qu'ils avaient aussi, qu'ils ont aussi mis dans certaines versions de la box celui à l'amande et le gel douche à l'amande, mais il est canon. Mais sinon, pourquoi pas tester celui-ci, pourquoi pas, je vais le faire dès demain aussi. Ensuite, on passe aux goodies de ce My Little Flower Book. Les goodies sont canon de chez canon, je vous les montre tout de suite. Donc cette box a été réalisée en collaboration avec Balzac Paris et ils ont fait notamment ce, je vous mets à l'endroit, est-ce qu'il y a un endroit, un envers, un endroit, voilà, cette pochette pour lingerie vagabond, comme ceci. Et donc c'est une pochette pour mettre sa lingerie, c'est tout doux, c'est un petit peu épais, ça se ferme par un nœud et quand on l'ouvre, en fait, on peut mettre son haut et son bas à l'intérieur. Ce sont vraiment deux pochettes. C'est hyper pratique pour partir en voyage, un week-end. Très très chouette, très original. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment très chouette. Il est vraiment joli en plus, c'est une belle pochette. C'est accompagné d'un petit descriptif que je vais vous lire. Donc ici, c'est créé en collab avec Balzac Paris, la marque qui aime littérature. Cette petite pochette emmène vos dessous en voyage. Avec ces deux poches, votre dentelle des beaux jours et votre soie des grands soirs sera gardée bien au chaud que vous partiez en week-end ou au bout du monde. Franchement, chouette. Très contente de cette petite pochette pour lingerie. Et ensuite, le deuxième goodie de cette box qui est vraiment hyper original. Je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai ouvert la box, j'ai vu, elle était au-dessus, c'est une petite boîte. Je vois jardin d'appartement, je la prends en photo, sans plus, puis je l'ouvre. Déjà, je ne voyais pas ce que ça voulait dire, jardin d'appartement, pourquoi, qu'est-ce que c'est. J'ouvre, je vous l'ouvre. Ceci, c'est mignon comme tout. À l'intérieur, donc là, vous avez un dessin, c'est des immeubles parisiens. Et là, il y a un petit fleuriste qui est en coloré. Sur la partie inférieure, vous avez une petite dame en vélo qui fait du vélo le long. Puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce ne serait pas du thé? Mais pourquoi mettre du thé dans une boîte comme ça? Je prends le petit sachet qui est ici. Je regarde c'est quoi et c'est graines à planter. Je me dis, mais pourquoi des graines? Est-ce que vous voulez que je mette ça? Puis je me dis, mais pourquoi il y a des feuilles au bout? Parce qu'il y a des feuilles en fait ici. Mais qu'est-ce que c'est? Et puis je retourne la boîte et là je comprends que c'est vraiment un jardin d'appartement, donc c'est en fait c'est quelque chose qu'on doit faire pousser, ça, il va y avoir des fleurs qui vont pousser quand on va le faire. Donc jardin d'appartement 1, ouvrez, dépliez tout doucement votre joli jardin, détachez la languette d'ouverture. 2, humidifiez le papier absorbant, répartissez les graines et aplatissez la surface, ça a l'air compliqué comme ça mais c'est ultra simple, entre parenthèses. 3, installez votre petit jardin à lumière, il adore ça, mais pas directement au soleil car il déteste. Arrosez tous les jours le papier absorbant, c'est pour son bien. Quand les graines commencent à germer, mettez directement votre jardin au soleil tranquille. Je trouve ça méga original. Alors moi, je n'ai jamais eu besoin de faire pousser des trucs dans des pots, sauf de l'herbe à chat et sauf quand j'étais petite, j'avais des espèces de pommes de terre qu'on pouvait arroser et elles avaient des cheveux qui poussaient, c'était de l'herbe. J'adorais ce truc là, sauf que moi franchement les plantes ne m'aiment pas, tout ce que j'essaye de faire pousser meurt. Les fleurs au lieu de durer une semaine, elles durent 2 jours. Je ne sais absolument pas garder des végétaux chez moi, il n'y a rien qui marche. Mais après, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu un jardin là dans ma maison. Là, on a un énorme jardin, il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a des buissons, etc. Mon compagnon s'occupe de ça très très bien, tout est très bien. Mais moi, tout ce qui est plantes d'intérieur et tout ça, ça n'a jamais marché. Je pense que les plantes ne m'aiment pas, ne m'aiment pas. Et même si je suis très emballée, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, dès que j'aurai fini cette vidéo, je m'occuperai de ce petit jardin. Je vous posterai une photo sur Snapchat. Et si ça marche, vous allez voir de toute façon l'évolution sur Snapchat. J'espère que j'aurai quelque chose qui va pousser. Et si ça marche d'ici quelques semaines, combien de temps une graine elle germe? Je ne sais même pas dire. Si d'ici quelques semaines j'ai des fleurs, je vous mettrai une petite photo sur Instagram et vous saurez que j'ai réussi à faire pousser quelque chose. Après, si ça pousse, quand ça aura poussé, je me demande combien de temps j'aurai réussi, combien de temps ça va durer. Entre temps, ça sera peut-être mangé par mes chats, on ne sait jamais. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un goodie hyper sympa, très original, franchement. Mais toute la box est vraiment très 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 chouette.
Et ça, c'est mon goodie préféré. Un truc très étonnant, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, très très chouette, très contente. Voilà, vous avez vu le contenu de la du My Little Flower Book. Donc on avait deux goodies, on a la pochette lingerie vagabonde, on a le jardin d'appartement. Au niveau des produits de beauté, on a quatre produits, on a un masque de My Little Beauty, on a le déodorant de Mixa, on a le shampoing sur terre, on a le gel douche de L'Occitane. Je suis satisfaite de tous les produits et de tous les goodies. Franchement, si je devais donner une note à cette box, je mettrais carrément un 5 sur 5. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi satisfaite d'une My Little Box. Elle est top top top, je suis très contente, je vais tout utiliser, la boîte je vais la mettre dans ma bibliothèque, je range 2-3 trucs dedans, c'est vraiment à ça que ça sert, il n'y a rien à dire. Si vous avez eu un autre produit, n'hésitez pas à me laisser le lien de votre review ou de votre vidéo en commentaire, parce que sur le blog je rédige toujours un petit paragraphe où je parle des autres versions, des autres produits qu'on trouvait dans les autres versions de cette box. Et je remets des liens vers les photos que je trouve sur internet, vers les blogs où je trouve ces photos. Donc n'hésitez jamais à laisser vos liens de review de box. Et voilà, donc vous avez tout vu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos remarques. On se retrouvera la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. J'en prépare plusieurs ce week-end. Mais voilà, donc à la semaine prochaine. Salut! Une surprise de ces achats. C'est un top qui est plutôt sympa, c'est un top en tissu imitation jeans, mais je vais vous le montrer de plus près, en fait c'est des petites fleurs qui sont dessinées, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et en bas il y a la dentelle ici.